Salut les pilotes, on se retrouve pour un nouveau summit cette semaine dans The Crew 2 et le summit de cette semaine ça va être The Next Chase. Alors The Next Chase, qu'est-ce que ça va être? J'en ai strictement aucune idée, c'est comme d'hab, c'est de la découverte. Je vais pas prétendre que je vais faire le meilleur summit du monde, je vais découvrir et puis j'aime bien découvrir comme ça, je trouve ça marrant. Alors je vais récupérer mes pièces, mes récompenses du summit précédent, hein, le summit Carnage, où ils vont m'offrir une voiture que j'ai déjà. Donc pourquoi pas. Et des pièces pour la Shelby GT500 que j'ai pas trop envie de préparer parce que je trouve qu'elle a de la gueule déjà, la Shelby GT500. Donc voilà, je vais récupérer ça vite fait. Et voilà, j'ai gagné 200 000 bucks parce que la voiture je l'avais déjà. Ça c'est sympa. Bon, alors l'ordre de cette semaine me plaît. La Z4, j'aime bien. C'est une voiture que j'avais en mode street dans le The Crew 1 et que j'avais beaucoup apprécié. Bon, on aura des pièces pour la Lamborghini Egoista. Oh mon dieu, ça veut dire qu'il faudra peut-être acheter la Egoista. Et ça, ça va faire mal. Et puis, de la Nitro Hyper Chase. Bon, bref, la Nitro, bof. Mais la Egoista, acheter ça, ça risque de me faire mal. Ah, il me faudra aussi une Murcielago LP640. Et une H2 Light Rider Edition. Et une 488. Bon dieu, mais... Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose à acheter. Et puis là, ils se sont lâchés. Mais franchement, les mecs, je pourrais jamais acheter tout ça. Bon, bref. Je vais commencer par la fuite. Qui se passe en bateau. Ok. Enfin, je crois. Ah non, hôtel de Las Vegas. Autant pour moi. Ce sera en voiture, ça. Ah ben non, ben non. Comme par hasard, je me dis mais non, ce sera en... Ouais ben bon, ok, c'est parti. C'était quoi ce lag? Ouf. Objectif accompli, mais pour l'instant j'ai pas l'impression que c'est extraordinaire, hein, parce que ce que je me suis mangé. Bah ok, on continue. Ok, à refaire, hein, franchement, et sans le lag du début. Tiens, je vais le refaire maintenant. Bon, je me suis quand même un petit peu mangé, mais c'est mieux que tout à l'heure, je pense. Ah, ah. Comment Clara s'est parti sur moi? C'est incroyable. J'ai l'impression d'être en pédalo, quoi. D'habitude, je me fais pas battre par l'IA, quoi. C'est bon. Il avance quand même un minimum normalement ce bateau. Ouais, bon, bref. Je voyais rien de toute façon. Bon, presque 100 000. À améliorer un petit peu. Bon, après, j'ai une fuite et là, ce sera en voiture par contre. Bon, bah, je vais commencer avec la. Je vais continuer, pardon, avec la fuite. Tranquille, c'est parti. Cette fois-ci, ce sera en voiture.
Ça va me mettre avec ma LaFerrari et ce sera tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai un petit lag à chaque fois. Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre là où j'ai pris. J'ai tenté un truc. Ça a l'air d'aller là pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Bon là il va falloir que je tourne à coup sûr. Ah. Bon, c'est pas la route que je prends habituellement, j'ai oublié où je tournais. Ah, j'ai même pas 100 000. Là, je suis un peu surpris par contre, quand même. Puis un dernier, j'ai un slalom. Je sais pas si ce sera un slalom bateau ou voiture. Manhattan slalom. Voiture, ok. Voilà, c'est lequel. Il est un peu relou celui-là. Et les scores sont encore là ce soir, enfin aujourd'hui. Ok, bon, ensuite je vais faire celui-là, le Hypercar Interception Unit, qui sera où, je sais pas trop où. On va voir ça. Fais en sorte que les prochains crashs soient spectaculaires. Ça tourne! Charlie, vos tampons, continuez. Oula, oula! Attends, ça en a pas détruit un seul. Allez. Encore dans le mille! Zou. Félicitations! Bye! Touché mais pas détruit. Superbement fait, quel pilote. Bye. Je suis fier de toi, pilote. Ah zut. Elle tiendra plus très longtemps. Bon. Passe à la prochaine. Plus qu'une. Cible détruite. Voltcorp te remercie. Ça brillait bien, hein. C'était mouillé, ça brillait bien. C'était pas mal. Bon, après tout ça, je vais faire l'hypercard toujours avec la Veneno. Et puis après, il va falloir que je commence à acheter des véhicules. Et bon sang, il y en a des véhicules à acheter. Mmh.
Allez, je t'envoie des ondes positives. Donc c'est une street race à faire avec une hypercar, pas mal. Chaque fois, elle part un peu de travers sur cela. Toujours de travers. Ouais, là j'ai carrément fini dans les autres voitures. Bon, voyons voir quelle voiture je peux acheter. Laquelle je vais préférer essayer d'acheter. La touring car, la street race ou la Egoista. Je vais voir combien coûte la Egoista. C'est la plus dur à acheter en principe. Ouais, 2 millions, c'est mort pour le moment. Ok. Bon, ben, je vais me rabattre sur la Murcielago pour le moment. Murcielago, ça te va aller. Ah, d'un beau rouge. Ouais, ça me va, moi, le rouge. Alors, j'ai 5 designs de jantes dispo. Bon, alors je vais prendre des jantes noires. Je vais partir sur celle-là. Ok, ça me coûte déjà un demi-million. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être short. Je pourrais peut-être acheter la Ninja après, mais je pense que ce sera tout. Hein. Ok, on est parti. Allez, je parle pas et tu te concentres. Un peu lent au démarrage. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer comme ça.
Effectivement, un peu lourde comme prévu. Je peux faire mieux, mais voilà. Elle est un petit peu lourde la Murcielago. Bon, alors, ensuite, je peux essayer de faire la course en ninja. D'ailleurs, j'ai déjà une ninja. Ah, mais ouais, il faut que je... Non, elle est trop chère en plus. Elle est trop chère. Je vais voir si je peux acheter la... Comment elle s'appelle? Voilà. La Ferrari 488 GT3. Est-ce que ce sera dans mes cordes? Ça, c'est pas sûr. Non, 796 000 là aussi. Trop cher. Bon, ben on va devoir se laisser là hein, pour ce summit pour l'instant. Le temps que je gagne assez de thunes pour pouvoir acheter les véhicules qui me manquent. Et sur ce, pour l'instant, moi je vais vous dire ciao!